Bonjour et bienvenue sur Télégoël, votre télévision citoyenne. Bonne fête à toutes les petites filles pour la Sainte-Catherine. Nous sommes le vendredi 25 novembre, voici le sommaire de votre édition. Une bâche contre les violences faites aux femmes sur la façade de la mairie de Arn. Un forum de l'alimentation pour connecter les producteurs et les consommateurs locaux. Une nouvelle formation au centre d'apprentis d'Auteuil. Notre coup de loupe vous emmène parcourir les allées du CIMA 2022. Mais tout de suite, une manifestation des élus du territoire contre les coupures d'énergie. Comme au printemps dernier, de nombreux élus des agglos Lanciévin et Hénin-Carvin étaient réunis ce vendredi matin devant la sous-préfecture de Lens pour remettre au sous-préfet leur arrêté anti-coupure d'énergie, une décision collégiale et vitale pour certaines familles des communes environnantes qui sont de plus en plus nombreuses à solliciter l'aide de leur municipalité. La précarité sur notre territoire, comme vous le savez, a atteint les summums. Nous le voyons de jour en jour, l'augmentation des prix de l'énergie, l'augmentation de l'alimentaire aussi qui en découle. Donc nous avons pris des décisions, chaque commune à son niveau, chaque communauté d'agglomération à son niveau, et nous nous sommes retrouvés aujourd'hui autour des parlementaires, le député de la circonscription de Lens, la sénatrice, et nous avons rencontré M. le sous-préfet. Nous sommes optimistes, bien sûr, on fait confiance à notre République et à nos dirigeants, donc nous on est sur le terrain, bon certains sont très loin du terrain, nous sommes sur le terrain et nous remontons les informations auprès des services de l'État pour informer le gouvernement de l'urgence qui est aujourd'hui une urgence battante qui risque d'exploser, de nous ramener des problèmes et au niveau communal, départemental, au niveau de la région et au niveau national. Le 25 novembre, c'est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. À Arn, la mairie a décidé de sensibiliser ses habitants. On a affiché notre volonté d'aider justement toutes ces femmes qui ont des problèmes. Vous avez vu, c'est pas seulement être battu, c'est du harcèlement verbal, c'est du... Regardez, tout est noté. On a de la violence sexuelle, cela va de soi. On a du harcèlement, on a de l'excision, bien entendu. Et puis, les mariages forcés. Eh oui, on en a encore. Et cela dans toutes les cultures, hein, sachez-le. Et puis, le viol, l'agression, les attouchements, elles souffrent de tout ça. Alors j'ai tendance à dire, c'est pas nouveau. Mais il est largement temps que nous nous en occupions et que nous aidions toutes ces femmes. Des femmes victimes chaque jour de violences. Cette année en France, 121 féminicides ont été rapportés par le collectif Nous Toutes. Dans le département du Pas-de-Calais, c'est près de 15 femmes qui portent plainte chaque jour pour violences conjugales. Toute la municipalité arbore un ruban blanc en soutien aux victimes. Les écoles ont elles aussi travaillé sur le sujet. J'ai trouvé que les écoles ont fait un travail qui est saisissant, plein de vérité, plein de, comment je vais dire, de vérité. Quoi. Elle est là, ils le constatent. Une jeunesse consciente de la violence est impliquée pour y remédier. Un numéro national gratuit et anonyme est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 pour venir en aide aux femmes victimes de violences. Regrouper les différents intervenants de la production, la distribution et la préparation des repas à la cantine bio de Méricourt était le lieu idéal pour partager sur les projets et les actions d'une alimentation locale et durable comme le promotionne chaque jour le SATD, Système d'alimentation territoriale durable de la CAL, représenté par Jean-François Caron, chargé de l'agriculture de proximité et d'approvisionnement local, et Bernard Baude, le vice-président chargé de la transition durable à l'agglo Lanciévin. Groupe tous les producteurs de circuits courts dans notre agglomération de Lanciévin. On regroupe les associations qui travaillent autour des transformations alimentaires, le sens du goût qu'on va travailler avec les enfants, la façon de refaire des recettes, de cuisiner, mais aussi les restaurations collectives comme par exemple les cantines des collèges et d'autres. Et puis tous les acteurs de cette question. Et ce forum, c'est pour, en gros, faire des affaires entre des producteurs locaux, des gens qui ont besoin de produits bio et de produits locaux. Et en fait, ce long travail de connecter
la production et ceux qui vont consommer, bah, oui, on fait des choses, mais c'est du changement culturel. Une exploitation agricole, on ne la change pas comme ça. Et donc, il faut, c'est un peu le sens de tout ce qu'on fait là, hein, on n'y arrivera pas si on ne réunit pas les consommateurs et les producteurs ensemble. Panier solidaire bio, frites bio pour les friteries, marché intercommunal, légumerie, création de zones de stockage ou encore sensibilisation des cuisiniers dans les collèges, des actions et des projets évoqués lors de ce forum de l'alimentation à Méricourt qui s'exportera dans d'autres communes de la Cale pour changer les mentalités. Bah, le salon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il nous sort de l'isolement parce que c'est une volonté, mais c'est un drôle de parcours où on se sent souvent seul pour relever ces défis-là. Et c'est vachement intéressant de montrer qu'il y a plein d'expériences multiples de différents niveaux, mais que c'est le début d'un mouvement, c'est le début de quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle la mise en commun, et ça c'est très intéressant. Être positif, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est le partage, de montrer que c'est pas une lame de fond, mais c'est un début, c'est un balbutiement qui prend de l'ampleur, et de pouvoir dire tout simplement, parce qu'il faut recréer de l'envie, recréer de l'espoir dans des périodes qui sont un peu difficiles, qu'il faut bien l'avouer, c'est que manger est indispensable, bien manger c'est un plaisir. Dans le centre apprenti d'Auteuil-Sainte-Barbe de Lossangoël, une nouvelle formation vient d'ouvrir ses portes. Un titre professionnel, agent de maintenance et bâtiments. Un apprentissage polyvalent qui permet aux élèves de toucher à tout dans le domaine du bâtiment. Alors, on est sur une formation où on va pouvoir intégrer aussi bien des jeunes ou des moins jeunes qui n'ont aucune connaissance dans le bâtiment, ou alors qu'on peut proposer ensuite de parcours pour un jeune qui aura déjà un CAP par exemple ou un titre pro dans une autre spécialité et qui voudra encore une fois se former à d'autres choses. Ce matin, avec leur formateur, les élèves travaillent dans le domaine de la plomberie, en particulier le cuivre et la soudure. Donc à l'heure actuelle, ça leur apprend justement à pouvoir souder. Là, on leur apprend à faire du cuivre, à souder sur du cuivre, à l'étain, parce qu'ils ne sont pas appelés à faire des installations complètes. Ils sont appelés à intervenir sur des installations qui sont déjà faites. Donc ça veut dire un changement de toilette, changement, une fuite, donc ils interviennent. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont étonnés des choses, qui même au niveau de l'outillage, tout l'outillage qu'il faut pour faire de l'AMB, il faut un peu de tout. Les élèves découvrent donc plusieurs métiers grâce à cette nouvelle formation. Donc ils ont déjà des bases, comme là on a déjà qui sont déjà plaquistes, qui sont CAP plaquistes. Ils veulent évoluer et pouvoir faire autre chose en même temps. Donc ça permet aussi aux entreprises, pas que, parce que bon, l'AMB c'est un métier pur, mais ça permet aux entreprises aussi que justement ne pas appeler un électricien spécialement pour changer une prise ou quoi que ce soit. Demain, si je dois prendre un plaquiste pur et je fais un peu d'électricité, je fais un peu de plomberie, comme ça, je partirais peut-être plus sur un polyvalent que un plaquiste pur. Donc ça ouvre beaucoup de portes. À la fin de la formation, les élèves passeront une épreuve pour obtenir leur titre professionnel, un diplôme reconnu par l'État. Ils travaillent le verre, le bois, le tissu ou le métal. Plus de 150 artisans sont venus vous émerveiller pour cette 7e édition du Salon international des métiers d'art qui se déroulait les 18, 19 et 20 novembre dernier au stade Bollard de l'Hélice de Lens. Nathalie, Clémence, Philippe, Emmanuel, quatre professionnels garants d'un savoir-faire qu'ils aiment partager avec le public venu en nombre. Notre métier luthier, qui date du fin du 15e siècle, début 16e, constitue à fabriquer et à restaurer, pour nous, c'est des instruments du quatuor, donc en fabrication violon et alto. Et nous sommes une maison spécialisée en instruments anciens. Le métier n'a pas tellement évolué, les fabrications, les méthodes de fabrication et de restauration restent les mêmes. On dit que le violon est né parfait, les essences de bois utilisées sont toujours les mêmes, épicéa pour la table, érable pour le reste. Et les techniques, aujourd'hui, on n'a rien trouvé de mieux que les techniques anciennes. Avec les matériaux bois et surtout les colles naturelles
Donc ici, nous, on travaille principalement la technique de la pâte de verre. C'est la même technique que la cristallerie de Dôme utilise à Nancy. C'est une technique qui a un magnifique résultat, mais qui est très très longue et qui comprend beaucoup d'étapes. Mais c'est l'intérêt de cette technique-là. Ça permet justement une grande liberté au niveau de la création. C'est un travail qui est varié, qui est agréable, qui est super valorisant, et on aime bien aussi participer à ce genre de salon parce qu'on a le retour du public, et ça, c'est déjà gratifiant. Je suis Emmanuel Flochet, marketeur. Je réalise des tableaux, comme vous pouvez le voir, de marqueterie. Je me suis spécialisé dans tout ce qui est sport mécanique et la bande dessinée. Je suis le seul à réaliser ces tableaux. Je passe entre 20 heures et 140 heures sur un tableau, entre deux essences de plaquage et 25. Toutes les personnes qui passent me disent « c'est de l'impression sur du bois ». Non, non, c'est vraiment du plaquage. Tout est entièrement découpé au cutter avec une précision chirurgicale. Je m'éclate. Je peux faire vraiment n'importe quoi. Et puis, c'est le fait d'arriver à finir un tableau et de dire « j'ai réussi ». Et quand l'auteur me dit « c'est magnifique », c'est encore plus beau que mon dessin, pour moi, ça n'a pas de prix. Alors, du coup, moi, je travaille beaucoup sur le thème des insectes. Grosso modo, c'est vraiment ma principale source d'inspiration, c'est les scarabées. Donc, je les travaille en textile. Donc, je vais faire des petits coussins, en fait. C'est vraiment la base de mon travail. C'est un point de couture très simple. Je réalise des petits coussins. Et en les assemblant et en cousant, j'arrive à faire vraiment la forme du scarabée. Et je rajoute des pattes avec des fils métalliques et des perles. Voilà. C'est rigolo parce que souvent les arachnophobes, ils n'ont pas peur de ces araignées-là. Ils s'approchent assez proche. Et quand j'en vends, c'est souvent à des arachnophobes parce que je pense que ça fait partie d'une espèce de thérapie personnelle de réappropriation de la peur. Après, il y a des gens, sincèrement, qui ne s'approchent pas. Je les vois physiquement, ils détournent, quoi. Et si certains se détournent à cause de leur phobie ? La plus grande partie des visiteurs sont là pour échanger sur les nombreux stands de ce salon. Donc nous sommes sur le salon, bien sûr pour faire connaître notre atelier. Les salons des métiers d'art, en règle générale, ça nous apporte des retombées, bien sûr une nouvelle clientèle éventuellement, parce que le métier de luthier est assez difficile. Donc pourquoi sur ce salon ? Parce que ce salon est très bien, j'ai eu de très bons échos. Et le salon des métiers d'art, c'est notre domaine, quoi. Ça touche un peu tout le monde. Ça sensibilise aussi les personnes, les héritiers d'instruments, parce qu'il y a beaucoup, comme je vous disais malheureusement, beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'un instrument demande de l'entretien, même s'il est plus joué. Clairement, je pense dans nos métiers, ce genre de salons qui sont quand même très qualitatifs, c'est hyper important parce que ça nous donne une vitrine, on profite de la com de l'événement, on rencontre, là le public est quand même hyper sensibilisé et éduqué entre guillemets, j'aime pas trop ce terme, mais les gens savent ce qu'ils vont trouver et du coup le public est déjà à moitié conquis. Et c'est hyper agréable parce qu'on a tout de suite des discussions de qualité avec les gens. Et alors que des fois, dans d'autres salons moins qualitatifs, les gens vont venir. Mais c'est un travail, ça fait partie de notre travail aussi, d'être dans l'éducation. Mais ici, nous, on est venus donc en délégation via la province de Liège, qui avait l'occasion de pouvoir montrer le travail de quatre artisans d'art. Donc, il y a notre atelier, il y a également la cristallerie de Val-Saint-Lambert, et alors on a aussi d'autres collègues qui travaillent. Un armurier d'art, donc qui décore les armes, et ça c'est vraiment une technique particulière, et aussi un autre collègue artisan qui lui fait de la marqueterie de paille et qui produit des boucles d'oreilles, des nœuds papillons en paille qui sont assez originaux, voilà. Et on est très content de découvrir ce salon parce qu'on nous en avait beaucoup parlé, on découvre la région et c'est vraiment bien agréable.